Gloire à Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, nous parlons de l'œuvre de Dieu. Il faut réellement savoir faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire croire en celui que Dieu a envoyé. Mais comment et pourquoi croire à la parole de Dieu? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je crois que vous allez suivre un message qui ne va pas vous laisser indifférent, parce que vous saurez comment faire pousser des racines à la semence de la parole qui est plantée en vous. Suivons et nous reviendrons pour continuer. Les frères, votre, attendez votre tour. On y va, les sœurs. Vaillant guerrier, on y va. Les frères, c'est votre tour. Il est vaillant devant vous. Vaillant guerrier. Vaillant guerrier. Vaillant guerrier. Ensemble avec les instruments, nous allons vaillant guerrier. Vaillant guerrier. Vaillant guerrier. Vaillant guerrier. Vaillant guerrier. Dans le combat. Oh, acclame pour ce vaillant guerrier. Acclame pour le vaillant guerrier. Nous savons que ce combat n'est pas notre combat. Et dans ces affaires qui nous opposent, nous n'allons pas avoir à y combattre, parce que c'est toi seul qui vas te lever. Tu nous dis, gardez silence. Regardez tous ces Égyptiens qui vous ont opprimés et qui vous poursuivent. Vous n'allez plus jamais les voir. Et tu fais de même pour nous encore aujourd'hui. Nous croyons dans ta vaillance. Oh, merci Seigneur pour les victoires que tu nous donnes. Au nom de Jésus, nous le recevons par la foi. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et tu peux encore dire Amen. Oh, tu as raison d'acclamer le roi des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Il va encore remporter des victoires dans ta vie aujourd'hui. Il va encore vaincre et combattre en ta faveur. Lui, il combat et toi, tu jouis de la victoire. Alléluia. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés, dans la présence du Seigneur. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu que nous allons partager ce matin, ce jour, elle est puissante. Je le sens, je le vois et je le perçois. Dieu va faire du bien à quelqu'un parce que il comprendra comment faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, toute cette année, le Seigneur nous donne comme thème pour dire « Mettez votre foi en action ». C'est-à-dire, il a parlé, mets en action. Il va parler à partir de ce que tu vas écouter, mets cela en action pour démontrer que tu as cru. Mais voilà que ce mois qui est en train de se terminer, le Seigneur a voulu que nous puissions comprendre le concept spirituel de l'œuvre de Dieu. Pour ceux qui nous ont rejoints, qui n'ont pas suivi tout cet enseignement pendant tout ce temps, j'aimerais rappeler que nous avons médité sur Jean chapitre 6, à partir du verset 24 jusque vers les 38-40, pour voir un peuple, une foule qui suit le Seigneur Jésus, qui voit ses miracles, qui mange le pain, le poisson, et qui, rassasiés, rentre et même en emporte quelques restes. En fait, ils ont fait tout ce qui était dans leur pouvoir pour traverser et rencontrer le Seigneur Jésus. Mais voilà, quand ils le trouvent, il leur dit, parce qu'il se disait, mais maître, tu as traversé, Rabbi, tu es venu ici. Il dit,
C'est parce que, en fait, vous ne me cherchez pas pour le miracle, mais vous me cherchez parce que vous voulez manger. Je veux être direct avec vous. Vous vous êtes coupé en morceaux, vous avez travaillé pour ça. Mais vous ne vous rendez pas compte que c'est des choses qui ne durent pas. Vous avez encore faim, vous allez encore revenir. Bien-aimés, nous avons compris qu'au lieu de chercher les dons de Dieu, cherchez le Dieu des dons. Au lieu de chercher les faveurs de Dieu, cherchons le Dieu des faveurs. De sorte que quand nous sommes avec lui partout, un besoin, les besoins nous en aurons toujours, va se présenter, mais le fait qu'il est là, il est la solution à tous les problèmes que le monde peut avoir. La faim et la soif dont il est question ici, c'est une expression de tous les besoins que nous pouvons rencontrer pour lesquels nous avons besoin de solutions. Il s'appelle Jésus. À toi de compléter quoi tu veux qu'il soit, où tu veux qu'il le soit et quand tu veux qu'il le soit. Mais ils n'ont pas compris. Eux laissaient Jésus et partaient et revenaient pour manger. Il leur a dit non, je peux vous donner un pain, mais il faut faire. Alors ils disent, qu'est-ce que nous devons faire pour faire l'œuvre, les œuvres de Dieu? Jésus dit non. Il ne s'agit pas des œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu, une seule œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que le Père a envoyé des cieux. Ah, mais si tu veux qu'on te croie, montre-nous un signe. Et comme ils avaient un signe de prédilection qui est la bouffe, ils disent, Moïse, du temps de nos pères, a dû leur donner la manne. Donc on pourrait dire, donne-nous aussi quelque chose. Jésus dit, d'ailleurs, ce que Moïse vous a donné, ça ne vient pas du ciel, ça pourrissait, ça périssait. Mais je peux vous donner le pain. Tel que quand vous allez le manger, vous n'aurez jamais faim. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Il dit, mais voilà, je suis le pain de vie. Nous avons insisté pour montrer qu'un pain n'a de sens et ne donne de vie qu'à un homme qui vit. Un cadavre à qui vous donnez le pain, ça ne lui sert de rien. Rassurez-vous que vous vivez et vivre, c'est avoir donné sa vie à Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. En ce moment-là, quand vous mangez de ce pain-là, vous avez la vie. Mais j'aimerais vous dire que Jésus, en tant que pain, il donne satisfaction à tous les besoins de celui qui le reçoit. Il est le pain de vie, c'est-à-dire qu'il est le pain qui, même un cadavre, il peut le vivifier. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc, il est même mieux que ce qui était fait dans le désert était l'ombre. Mais aujourd'hui, comme déjà nous sommes en train de clôturer pour entamer de nouveaux thèmes, le Seigneur voudrait que nous puissions parler de pourquoi et comment faire l'œuvre de Dieu. Nous comprenons maintenant le concept de l'œuvre de Dieu. Je peux dire en d'autres termes, pourquoi et comment croire en celui que Dieu a envoyé. Pourquoi? Comment? Deux questions importantes qui vont nous inciter à profiter du pouvoir de la parole de Dieu. Celui que Dieu a envoyé, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Et il est considéré comme une semence. C'est pour cela que je voudrais que nous prenions comme texte d'appui de la méditation Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Nous allons lire les 20 premiers versets. Ça fait longtemps que vous lisez des textes comme ça dans un culte, n'est-ce pas? Marc chapitre 4, 1 à 20. Si nous ne le terminons pas, prenez le temps d'aller le méditer. Mais nous allons parler de tous les concepts, tous les principes et tous les réma que Dieu va nous donner au travers de ce texte. Écoutez ce que la Bible dit. Marc 4, 1 et 20, jusqu'à 20. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement.
Écoutez. Un semeur sorti pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Verset 9. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Bien-aimé, je vais d'abord arrêter là. Vous savez, beaucoup de gens aiment parler, mais peu de gens aiment entendre. À la vérité, les oreilles, ce n'est pas pour les boucles d'oreilles. Je sais que hommes et femmes, aujourd'hui, on ne sait même plus qui met les boucles d'oreilles, qui ne les met pas. C'est plein. Mais la vraie raison des oreilles, c'est pour entendre. Est-ce que vous pouvez dire alléluia? Le Seigneur est en train de parler en parabole. Et j'aime ce langage. Le Seigneur prend des métaphores à partir des choses auxquelles les gens culturellement, habituellement, selon leur vie quotidienne, aiment faire, comprennent, mais il en profite afin de leur donner des vérités spirituelles. Ici, Dieu est présenté comme un semeur. Et tous ceux qui reçoivent ce qu'il a semé comme parole sont présentés comme des champs, un terrain. Et la parole que Dieu envoie, elle est comparée, elle est présentée comme étant une semence. Mais Dieu n'est pas en train de parler de l'agriculture. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que quand le Seigneur dit « une graine qui tombe en terre, si elle ne meurt, elle reste seule, mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits », le Seigneur n'est pas en train de parler vraiment de la graine, il est en train de parler de lui-même. Il est en train de parler de sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement et de sa résurrection. Mais il prend une métaphore, il parle d'une semence, d'une graine qui doit tomber en terre. Mais en fait, il parle de lui. Pour partir des réalités connues, habituelles, de tous les jours, la Bible dit, celui qui vient avec larmes quand il porte sa semence. Maintenant, en retournant avec sa gerbe, il le fait avec chant d'allégresse. Le Seigneur n'est pas en train de parler de l'agriculture. Mais il veut enseigner un principe spirituel qui est quoi? La patience qu'un laboureur doit avoir. Quand tu vas semer, ça fait toujours mal quand on sème. Parce que ce qu'on sème là, on l'aurait bouffé, on l'aurait eu un plaisir immédiat. Mais on est obligé de choisir toujours les meilleurs. Jamais un vrai fermier, un vrai agriculteur ne choisit les mauvaises graines pour aller semer. Le vrai agriculteur, le bon agronome, il va choisir ce qui est bon, ce qui est de bonne race, ce qui est de bonne qualité pour aller semer. Alors quand il part, le ventre peut réclamer, il a des larmes, mais il va semer. La Bible dit, quand il va maintenant plus tard, revenir avec la gerbe de ce qu'il a moissonné, ce ne sera plus les larmes, mais ça sera quoi? Les champs d'allégresse. Mais il est en train de parler de quoi? Il veut nous faire comprendre qu'il faut être persévérant, qu'il faut être patient.
Il n'y a aucun agriculteur qui sait que je sème aujourd'hui le matin, la nuit je commence à moissonner. Non, il faut patienter, il faut savoir attendre, mais tôt ou tard, vous allez moissonner. Voilà comment le Seigneur est en train de parler. Alors, quand je regarde tout ce que la parole de Dieu est en train de nous dire, je comprends que nous devons être en train de regarder les réalités naturelles que le Seigneur est en train de nous montrer, comprendre que nous devons être persévérants et glorifier le roi des rois. Ainsi, quand nous voyons ce que nous venons de lire dans Marc, mes frères et sœurs, je comprends que la parole de Dieu est comparée à la semence. Un semeur est sorti pour s'aimer. Mais il s'agit de la parole. La parole, si vous lisez la Bible, je n'ai pas besoin de vous démontrer qu'il s'agit de Jésus. Il dit lui-même une graine qui tombe en terre. Donc lui-même est une graine, lui-même est une semence. Dès qu'il est ensemencé, dès qu'il tombe en terre, il produit. Écoutez ce que Jean nous dit. Si vous allez dans Jean au tout premier chapitre, au tout premier verset, vous allez vous rendre compte que la Bible dit « Au commencement était la parole, les paroles étaient avec Dieu, la parole était en Dieu, et la parole a créé toutes choses, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est celui qui est le début de toutes choses. La semence, c'est la base de toute production. La semence, c'est la base de tout ce qu'on va moissonner. Et au commencement, Dieu n'a pas commencé le commencement sans parole. Dieu a commencé le commencement avec la parole de Dieu. Et cette parole, si vous suivez de près, c'est Jésus. Et tout ce qui a été créé, il n'y a rien qui n'a été créé sans elle. Rien. Est-ce que tu peux dire amen? Mais quand on dit, quand tu lis ça, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Même ton mariage n'aura pas lieu sans la parole de Dieu. Ta santé n'aura pas sa guérison que tu attends s'il n'y a pas la parole de Dieu. Ton succès, ta réussite, les maisons, la prospérité, tout, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que tu peux dire alléluia? J'aimerais vous dire qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. C'est pour cela que j'aime être toujours dans la maison de Dieu pour entendre la parole de Dieu parce que je sais que rien ne commence s'il n'y a pas eu parole. Même une malédiction commence par la parole. C'est en cela que c'est une malédiction. Même une bénédiction commence par la diction de bonnes choses. Elle commence par la parole. Mes frères et sœurs, Dieu sort du néant au commencement. Parce qu'il dit, au commencement était la parole. Imaginez, il n'y a pas encore de terre, il n'y a pas encore d'astre, il n'y a pas encore de nébuleuse, il n'y a pas encore de système lacté, de voie lactée, de tout ce que vous connaissez, les systèmes solaires ou non solaires, mais Dieu sort dans le néant. Il n'a pas besoin de s'appuyer comme nous sur cette terre. Il parle. Et la Bible dit, je vais vous donner un texte que vous devez avoir à bien retenir. Il y a ce texte ici de Psaume 33, 9. Pour mieux le retenir, il faut savoir que 3 fois 3 égale 9. Voilà, je vous donne une astuce, une mnémotechnique. Psaume 33, 9 nous révèle une propriété terrible de la parole de Dieu. Allons-y ensemble pour le lire. Psaume 33, 9. Si tu as trouvé, dis alléluia. Oh, mais tu vas saisir l'importance et comprendre pourquoi et comment la parole. Pourquoi faire l'œuvre de Dieu? Pourquoi croire en la parole de Dieu? Mais c'est parce que la parole de Dieu contient une puissance extraordinaire. La parole de Dieu est powerful. Full of power. C'est-à-dire la parole de Dieu est pleine de puissance en elle-même. Écoutez ce que le psaume 33, verset 9 dit. Psaume 33 dit, « Car il dit, et la chose arrive. » Donc il dit, « Que la lumière soit, la lumière fut. » Il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle...
existe. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Mon frère et ma sœur, le monde et tout ce qui se trouve répond au dictat de la parole de Dieu. Elle dicte et la chose se fait. Vous savez, quand je regarde notre père dans la foi, Abraham, vous savez, je crois qu'on devra revenir et parler un peu sur Abraham encore une fois. La Bible dit, il a cru en la parole de Dieu. Il est, si vous allez dans Romains, vous allez le retrouver au chapitre 4, c'est lui qui a dit, je t'ai établi. Dieu a parlé à Abraham, il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Alors, la Bible ajoute, il est notre père devant celui auquel il a cru. Qui est-ce qu'il a cru? Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oh my God! Donc, quand Dieu appelle une chose, si elle n'est pas du fait que Dieu l'a appelée, la chose vient à l'existence. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Vous savez, en lisant les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que quand les disciples traversaient, Jésus dort un peu. Et puis, subitement, une grande tempête arrive. Les vagues de l'eau veulent entrer dans la barque. Les disciples sont en panique parce qu'ils croient qu'ils vont périr. Mais il y avait à côté de quoi? La parole de Dieu qu'il fallait seulement réveiller. Alléluia. Dès qu'il le réveille, Jésus se lève. Vous savez ce qu'il a fait? Il a regardé la tempête et les vagues de l'eau. Il a fait seulement chut. Silence, du calme. Subitement, tout s'est arrêté. Il leur dit, homme de peu de foi. Vous ne savez pas faire l'œuvre de Dieu. Mais alors, entre eux, il regarde et dit, mais qui est celui-ci auquel obéissent et les vents et les eaux? Qui est celui-ci? Mais la réponse est simple, c'est la parole. Celui-ci, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est créé par elle, et quand cette parole sort, ces créatures savent l'entendre et exécuter son ordre. Il fait seulement dans ta tempête et dans ton calme, et tout se calme. Vous savez, quand Jésus vient au tombeau de Lazare, oh j'aime ça, il dit ôtez la pierre. Jésus ne devait même pas entrer là-bas pour dire, je vais lui imposer les mains, je vais souffler bouche à bouche, nez à nez pour lui. Non. Il avance. Lazare! Alléluia. Le cadavre sent qu'il y a une parole qui est sortie qui m'a cité. Je bénis Dieu parce qu'il avait cité le nom de Lazare. Parce que s'il avait seulement dit ressuscite, tous les cimetières allaient voir les gens se lever parce qu'ils ont entendu la parole qui, oh mon Dieu, Jésus a bien précisé, Lazare sort et Lazare est sorti. Est-ce que tu ne peux pas acclamer mieux que cela le roi des rois et le Dieu vivant? Il est Seigneur. Il est Seigneur. Toute parole de Dieu est éprouvée. Et celui qui la prend pour appui, la parole devient son bouclier. Vous savez, j'aime cette puissance. Il faut que vous compreniez qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. Une puissance telle que même pour être né de nouveau. Si tu es assis et que tu n'as jamais entendu la parole de Dieu, et que tu me dis que je suis chrétien, je ne vais pas te croire. Lisons, si vous le doutez, allons dans 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 23 à 25. Je suis en train de vous montrer pourquoi. C'est parce que la parole est puissante. Elle est puissante, efficace, tranchante et pénétrante jusqu'à séparer jointures et moelle, âme et esprit. Devant la parole de Dieu, tout est nu et découvert. Alléluia. Écoutez ce que 1 Pierre nous dit au chapitre 1er, verset 23 à 25.
Puisque vous avez été régénéré. En anglais, on dit being born again. Étant né de nouveau. Puisque vous avez été régénéré, c'est-à-dire que vous étiez mort, la parole est venue, elle vous a régénéré. Non par une semence, et là encore une semence, corruptible, mais par une semence incorruptible. On veut maintenant expliquer quelle est cette semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Car, écoutez le verset 24. Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes entré dans cette église. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous avez bien chanté et sauté. Mais vous êtes sauvé parce qu'il y a eu une semence incorruptible, différente des fleurs, différente des plantes, différente de tout ce qui peut faner, tomber, sécher. Elle est permanente. Elle est puissante, c'est par elle que vous avez été régénéré, c'est par elle que vous avez été sauvé. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est tellement puissante qu'elle non seulement engendre, mais qu'elle soutient ce qu'elle engendre. Si vous dites Amen, je vais vous montrer encore cela. Si vous lisez avec moi Hébreux chapitre 1er, juste Hébreux 1er, si vous allez au chapitre 1er, ne lisez que juste les trois premiers versets, vous entendre une chose. De plusieurs manières et à plusieurs reprises autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais au temps qu'ils sont les nôtres, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est lui qui est l'empreinte de sa personne. La représentation de ce qu'il est. Et la Bible dit, elle soutient toutes choses. Par quoi? Par sa parole. Toutes choses. Ton mariage est parmi les toutes choses. Ta santé est parmi toutes choses. Ta prospérité est parmi toutes choses. Vous savez, ça veut dire que la parole de Dieu, non seulement il a dit que la lumière soit, il a créé les luminaires et le soleil. Si vous vous réveillez un jour, vous trouvez que le soleil n'est pas tombé, il y a quelque chose, une puissance qui soutient la parole et qui soutient le soleil. Et cette puissance, c'est quoi? C'est la parole qui a créé le soleil. Alors, pourquoi voulez-vous que moi je tombe parce que je suis aussi créé par la parole? Pourquoi voulez-vous que moi je puisse échouer et m'écrouler parce que je suis régénéré par cette semence incorruptible? Cela n'est pas possible. Le même qui tient la parole, le même qui tient les astres, le même qui tient le soleil est le même qui me tient et je sais que je ne tomberai pas, je sais que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la... Alléluia! Aide-moi à clamer très fort le roi des rois. Aide-moi à clamer le Dieu vivant. Alléluia! La parole est rien que la parole. Elle soutient toutes choses. Si tu as une situation, tu as un problème, sache que ce problème, cette situation, peut être soutenue par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Vous savez, toute cette semaine, quand nous sommes venus aux trois jours de prière, l'ancien Sylvain, qui nous a parlé le deuxième jour, a parlé d'une histoire de Pierre. Et je sens que Dieu veut insister là-dessus parce que le dimanche au culte en anglais, Peter nous a aussi parlé de la même histoire de Pierre. Quelle est l'histoire? L'ancien Sylvain nous dit ceci, que si vous voulez, quand Pierre est arrivé, avec ses amis, il voit sur l'eau quelqu'un marcher et pour eux, il... Vous savez, les pensées de l'homme vont toujours vers ce qui fait peur. C'est un fantôme. Personne n'a pensé que c'était le Seigneur. Non, c'est un fantôme. Jésus, voyant leur cœur, il leur dit, non, c'est moi. Alors, Pierre, oh, j'aime Pierre.
C'est vrai, c'est bien de le critiquer. Non, il a renié Jésus. Est-ce que toi, tu peux avoir le courage de Pierre? Toi, tu peux être là, on fouette, on veut tuer, le sang est en train de rouler. Et puis on dit, tu es parmi eux. Et toi, tu vas te lever pour dire, oui, je suis parmi eux. Il ne faut pas s'amuser avec Pierre. Pierre est ce garçon d'action. Pierre est cet homme qui est tout puissant. Acclamons pour Pierre, l'apôtre. Alléluia. Alléluia. Et Jésus lui a dit, on t'a réclamé pour tes crimes, mais quand tu seras converti, affermi, c'est lui qui nous a affermi maintenant. Qu'est-ce que Pierre fait? Pierre, on vient attaquer son Seigneur. Quoique n'étant pas un meurtrier, un tueur, il sort son épée, il rate la tête, il coupe l'oreille. Mais quand même, il a fait quelque chose. Alléluia. Et Jésus prend, il remet. Pierre, Jésus dit, je vais aller mourir. Il dit, tu ne mourras pas arrière de moi, Satan. Mais Pierre a continué. Pierre est là, un garçon dynamique. J'aime des gens comme ça. Pas toujours des gens qui sont là-bas. On ne savait pas s'il veut dire oui ou s'il veut dire non. Pierre! Alléluia. Alors, dès qu'il voit le fantôme venir, ce qu'il disait fantôme, Jésus dit c'est moi. Alors il dit non, ce n'est pas que je doute, mais ordonne si c'est toi, que je vienne. Est-ce que tu peux dire alléluia? La parole parle. Jésus parle, il dit viens. Moi je suis convaincu, comme Jésus n'a pas précisé, Pierre vient. Si tous ceux qui étaient dans la barque avaient voulu marcher, ils allaient marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Ils sont restés, eux croyaient que c'était un fantôme, et pourtant c'est la parole qui était lancée. Pierre est sorti. Vous savez mes frères et sœurs, tant que vous êtes dans la barque, vous êtes dans une zone de confort, vous ne pouvez pas voir les miracles de Dieu. Tant que vous êtes dans votre confort. Mais si vous entrez sur l'eau, que les Kinois appellent Maï Zanga Mukua, c'est là que maintenant tu peux expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Mais pas dans la barque. La barque, c'est comme l'arche, elle est portée par les eaux. Tu peux être fier et parler, mais ose sortir de ta zone de confort. Ose sortir de la barque si tu veux voir la parole de Dieu s'accomplir. Est-ce que tu peux dire amen? Il a marché sur les eaux. Dites amen, j'ajoute quelque chose. Amen. Dites un peu mieux que cela. Amen. Oh my God, il marche sur les eaux. Jésus marche, Pierre marche. Je veux que vous puissiez vivre cet instant-là. Les autres sont dans la barque, là. Ceux qui aiment le confort de ce qui est dur, ils sont en train de regarder. Pierre est en train de marcher, Jésus est en train de marcher et le vent est en train de souffler. Imaginez ces deux personnes-là. La barque est restée, Jésus est là, Pierre est au milieu. Et le vent souffle, les eaux montent. Au lieu de continuer à croire, à faire l'œuvre de Dieu, à croire en la parole de Dieu, il commence à se regarder et il commence à s'enfoncer. Alors il crie, heureusement, quand tu t'enfonces, et il a le réflexe de crier, « Sauve-moi, Seigneur !» Je m'enfonce. La Bible dit, Jésus tend la main et le tient. Alors, j'aimerais que vous ayez maintenant cette scène, si vous êtes un metteur en scène. Pierre est en train de survoler, il est comment? On l'a pris comme un bébé, je ne sais pas combien il pesait, parce que la Bible, la pirogue est là-bas, mais Jésus, lui, il est sur l'eau. Et Pierre qui s'enfonçait, on l'a tenu et on l'a soulevé comme ça. Acclame le roi des rois et le Dieu vivant. Il est Seigneur. Il l'a porté. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, il l'a tenu. J'aime la parole parce que la Bible dit, soutenant toutes choses. Les pierres qui s'enfoncent sont soutenues par la parole. Ton travail est soutenu par la parole. Ton foyer est soutenu par la parole. Ta santé est soutenue par la parole. Tes richesses sont soutenues par la parole. Mais si tu crois, tu peux sombrer devant les sorciers et les magiciens. Ne sombre pas, ce monde est comme une mer en vague. Tu peux y marcher avec le Seigneur. Voilà le principe que Pierre nous a donné. La parole de Dieu met celui qui la reçoit au même niveau que Dieu qui l'a parlé. C'est pourquoi Pierre marchait,
et Jésus marchait. Au moment où il a cru en la parole de Dieu, la parole l'a hissé au même niveau que celui qui l'a parlé. Mais dès que tu doutes de la parole, tu rentres, tu n'es plus au niveau du Dieu qui a parlé la parole, tu rentres au niveau de l'homme qui doute de la parole. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Oh mon Dieu! Les versions anglaises le disent très bien. Ils disent, « I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. I have esteemed the word of his mouth more than my necessary food. » C'est-à-dire quoi? J'ai estimé la parole de la bouche de Dieu plus que ma nourriture nécessaire. Donc Job est en train de dire ici que je peux jeûner de la nourriture 1, 2, 3 jours, autant de fois, mais je ne peux pas jeûner de la parole de Dieu. Elle est plus que ma nourriture. Je voudrais que tu comprennes. Alors, dans la version française, on dit, j'ai plié ma volonté aux paroles de sa bouche. Je voudrais que nous puissions comprendre, mes frères et sœurs bien-aimés, que la parole de Dieu est puissante, elle est efficace, plus puissante que tout. Oh my God! C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? À moins que Dieu n'ait parlé. Si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, il va l'exécuter. Dieu parle et il est derrière la parole de sa bouche. Vous savez ce qu'il a dit à Abraham? Certainement, certainement, je te bénirai et je te multiplierai. Je voudrais me faire dans le Seigneur. Que nous puissions ainsi comprendre la puissance de la parole. Mais, pourquoi croire en la parole, nous l'avons dit, elle a une puissance. Elle est une épée, elle est une lampe, elle est une semence de laquelle beaucoup de choses se dégagent, elle crée. À cause de cela, nous devons croire en cette parole. C'est pour cela que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de la parole. Faites attention, vous qui êtes enclin à toujours maudire et frapper et parler en mal des enfants ou des gens proches de vous, vous ne savez pas qu'il y a des problèmes qui continuent parce que vous aviez dit telle chose, vous avez oublié pour démonter, pour défaire cela. La parole est puissante. C'est pourquoi je dis toujours, la parole de Dieu dans ma bouche a la même puissance d'éclairer, de créer, de soutenir, de bénir que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu. Bien-aimés, n'abandonnez pas les promesses, ne laissez pas le diable vous subtiliser les promesses. Si nous rentrons dans notre texte de Marc, que nous avons donné comme texte de base, si vous lisez les versets suivants, le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, il y a deux groupes de gens. Ceux du monde, je leur parle en parabole, mais à vous, je vais vous expliquer. Ça, c'est le reste que nous n'avons pas lu. Il leur explique quoi? Vous savez, ne cherchez pas à vous faire croire ou comprendre ou à vous expliquer envers tout le monde. Dieu peut faire que vous soyez une parabole pour les gens autour de vous. Ils vous regardent, ils vous entendent, mais ils ne comprennent rien. Mais alors, ne faites pas d'efforts pour expliquer si j'ai fait ça, si j'ai eu ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris votre Seigneur, ils ne vous comprendront pas. Alors, si vous devez marcher avec Dieu, avancer avec Dieu, laissez-le faire. Si Dieu veut expliquer à qui il veut expliquer, il va le faire. Alors, il dit, vous, je vais vous expliquer. La semence, c'est cette parole. Celle qui est tombée au bord de la route, celle qui est tombée dans les épines, il explique tout ça.
Mais alors il dit, il y a d'autres personnes qui reçoivent la parole avec joie, avec enthousiasme, mais cette parole ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé des racines. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église à cause de la musique. Vous allez le voir, ils dansent là-bas, ils dansent, ils surfent, ils font les... Mais après, quand il n'y a pas de musique pour eux, il n'y a pas de culte. Là, ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. La parole de Dieu n'a pas de racines en toi. Elle va sécher. Le but, quand la parole vient, c'est produire des fruits. Un produit 30, un produit 60, un produit 100. Mais tant que ça se sèche dans le processus quelque part, ça veut dire qu'il y a un problème du terrain qui a reçu la parole. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Ne laisse pas l'ennemi te voler les promesses. Dieu a parlé sur toi et puis tu es allé consulter. Le médecin a dit, je vois qu'il y a des trous à ton poumon. Et tu commences à pleurer, tout le monde est au courant et tu vas te suicider. Pourquoi? Le diable a vu qu'on t'a mis une parole qui est une semence, comme un oiseau qui vient, il veut piquer en te disant le contraire de ce que la parole a dit. Quel rapport allez-vous croire? Celui de Dieu ou celui de ce monde ou de ce médecin ou de celui qui a déclaré? On te dit la maladie que tu as, il n'y a pas encore de médicament, donc ne dépense pas l'argent. Rentre seulement comme ça, tu attends la mort. Et toi, tu crois en cela? Dis avec moi, je suis soutenu par la parole. Tiens-toi debout, on va acclamer le roi des rois. Tiens-toi debout, on va pousser les cris de joie. Parce que la parole de Dieu, elle est là. La parole de Dieu, elle crée. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Ne vous laissez pas piquer vos promesses par l'ennemi. Ça, c'est comme un oiseau qui vient. À moins que ces paroles n'aient pas trouvé des racines, une terre fertile. Si Dieu a dit une chose, non seulement sa parole la crée, mais sa parole le soutient. Mais Dieu peut permettre que des choses apparemment contradictoires viennent dans votre vie. Qu'est-ce que vous allez croire? Et Dieu regarde. C'est cela qui nécessite que vous puissiez donner des racines à la parole pour qu'elle puisse aller là-bas. Le vent peut venir, mais est-ce que la parole que vous avez reçue a des racines ou bien elle est tombée sur des pierres? Les soucis du siècle présent, les épines et tout cela va essayer de l'enlever. Il faut recevoir la parole de Dieu. Pourquoi? Elle est puissante, elle est lumière, elle est épée, elle crée, elle soutient, elle combat. Elle est claire, elle fait tout cela. Mais comment recevoir? En lui donnant des racines. C'est pour cela que quand il y a des enseignements, vous venez donner les racines à la parole. Quand il y a des moments de prière, vous venez donner des racines à la parole. Je veux que tu prennes un temps. Quel est le domaine où Dieu a parlé en ta faveur, mais tu as commencé à douter? Parce que tu as semblé voir des choses paraître différemment. Est-il un problème de santé? Est-il un problème de foyer? Est-il un problème des enfants qui deviennent rebelles et qui deviennent drogués? Est-il un problème de pauvreté, de manque d'argent? Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais je déclare que la parole de Dieu qui a créé toutes choses au commencement puisse maintenant opérer des transformations et régénérer tout ce que l'ennemi était en train de détruire dans votre vie. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit amen. Maintenant, commence à parler selon ton cas à la parole. Dis, je crois en la parole, je crois en toi la parole. Je crois que tu crées, je crois que tu restaures. Je crois que tu combats, je crois que tu es un bouclier. Je crois la parole que tu es éprouvé. Je crois. Je déclare que pendant que vous êtes en train de parler de cette parole, parce que vous croyez, vous faites l'œuvre de Dieu, Dieu va faire des grandes choses et transformer cela. Je le déclare accompli au nom de Jésus. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi? Alléluia! 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 N'oubliez pas, bien-aimés,
croire en la parole de Dieu vous met au même niveau que le Dieu de la parole que vous avez cru. Quand il marche sur les eaux, vous pouvez marcher sur les eaux. Mais quand vous doutez, vous décalez les choses, vous n'êtes plus au même niveau que celui qui a parlé. La parole de Dieu, cette semence, nous en avons besoin. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus. Je crois en ta parole. Cette semence incorruptible, par laquelle je suis régénéré et qui me soutient. Je reçois que ma santé est soutenue. Comme tu soutiens le soleil, il tourne sans tomber, je suis aussi soutenu. Je tournerai dans ce monde sans tomber, ni de la maladie, ni de l'empoisonnement, ni des commérages, ni de la sorcellerie, ni de l'occultisme, parce que je suis soutenu par ta parole. Tu as dit que je serai toujours en haut, jamais en bas. Toujours la tête et non la queue. Et je serai distingué parmi les nations. Je reçois toutes ces paroles. Ma vie est restaurée. Mon foyer est restauré. Mon église est restaurée. Mon ministère est restauré. Mes finances sont restaurées. Je le reçois au nom de Jésus. Oh, mais si tu l'as reçu, acclame très fort le roi des rois. Acclame le Dieu vivant. Acclame le Dieu puissant. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu en ce moment? Est-ce qu'il y a des gens qui croient en la parole de Dieu en ce moment? Je crois, je crois, je crois. Et la parole de Dieu ne retournera pas à lui sans produire ce pourquoi elle a été envoyée. Si elle a été envoyée pour t'enrichir, elle a une instruction. Ne rentre pas tant que Kalonji n'est pas enrichi. Ne rentre pas tant que Kalonji n'est pas élevé en dignité. Ne rentre pas tant que... Donc la parole de Dieu qui est déclarée sur toi, elle a cette instruction. Elle ne va pas rentrer à toi sans produire ce pourquoi on l'a envoyé. Voilà donc pourquoi et comment recevoir la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Acclame Jésus. Il est la parole. Il crée toutes choses. Il mérite nos louanges. Il est Dieu. Au nom de... Bien-aimés, nous allons clôturer ce culte. Je rappelle, nous avons un culte en anglais à 17h. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel, le Dieu qui parle et les choses arrivent et qui a parlé dans vos vies, vous donne de recevoir ces semences et d'en avoir les résultats. Le mois de septembre qui commence, je le déclare un mois béni. Dans vos voyages, dans vos entreprises, dans vos activités, dans vos foyers, que cette grâce vous accompagne, parce que l'Éternel fait luire sa face sur vous. Qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous accorde sa grâce à tous égards. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit trois fois Amen. Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Vous avez bien saisi que la parole de Dieu, c'est tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour être soutenus, parce qu'elle a non seulement une puissance, mais quand nous la recevons, elle a besoin des racines. Je voudrais que tu aimes et que tu commences à être fervent de la maison de Dieu, de l'écoute de la bonne parole, parce qu'elle est plus que ta nourriture nécessaire pour ton corps. Cela étant, mes frères et sœurs, ne laissons pas l'ennemi venir nous piquer nos promesses. Ne nous laissons pas croire ou convaincre par ce que le monde dit, même des verdicts que le monde peut prononcer, mais confions-nous à la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est efficace. Si vous l'avez bien compris comme moi, accrochons-nous au Seigneur
et retrouvons-nous ensemble. Et vous qui n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, ça c'est une occasion à ne pas manquer, parce que tant que vous n'aurez jamais reçu cette parole et donné votre vie à Jésus, reconnu que vous êtes pécheur et qu'il doit vous pardonner, parce qu'à la croix il a porté vos péchés, vous vivrez toujours dans vos péchés et dans vos problèmes. Mais si vous lui donnez, vous lui confiez votre vie, tout va changer, parce que vous serez régénéré. Et cette parole est une semence incorruptible. Cela étant, je nous invite tous les dimanches à Logos Rema, sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa, RDC. Nous prions deux cultes avant midi, un culte le soir. Le premier culte en Lingala, 7h30, 9h30. Le deuxième culte commence avec la Sainte Cène, plus la Bonne Nouvelle en français. Et à 17h, nous venons au culte en anglais. Donc vous n'avez aucune raison de rater, de vous exposer à la parole de Dieu. Oui, que le Seigneur vous bénisse, soyez des nôtres et invitez les autres, participez à la moisson des âmes. Les temps sont très courts. Merci et à la prochaine. God bless you and remain blessed. In the name of Jesus Christ. Amen.